Ouais, je vous voyais plus, je me suis demandé ce qui se Ouais, passait. pareil. On est que trois? Bon. Vous vous sentez chaud de le faire à trois ou pas? Ça va être compliqué, mais ouais. Hein. Ok, attends. Il y a vraiment pas moyen de trouver Vas-y. un quatrième. Pour une quatrième ou pas? Ouais, bah, il y a. Ok. Ouais. Il est Attends. dispo dans combien de temps? C'est 5 minutes, je pense. Je vais lui dire, je vais t'envoyer une GPS, je reviens. Ok. Bon bah du coup on va être bon. Ça va le faire. Hop. Bon du coup, je t'explique très rapidement. Je pense que du coup je vais venir sur zone. Ouais, bah, je pense que ça va être beaucoup mieux. Mais je vais leur parler. Ouais. Je vais leur parler. Donc je vais gérer dans le truc. Donc déjà là faut que je me fasse un truc anonyme. Je vais le faire tout de suite sur le Discord. J'arrive. Ok. Ça. Bonjour. Ok. Ok. Bon, on va commencer, on va prendre des véhicules. D'accord. Va chercher les armes avant déjà. Ouais, Les armes. les armes. Tu sais, tu te souviens où est-ce que c'est ou... C'est dans quel Ouais, canal? t'inquiète. C'est dans quel canal Du sur coup. Radio? On se mettre On va se mettre en bureau des ennemis, je vous mets tout là-bas. Ok, ça marche, j'arrive. Il n'y a pas de reconnaissance. Je vais rentrer en relation directement avec les forces de police une fois qu'on aura lancé le casse. Enfin, le casse sera déjà terminé. Du coup, on aura déjà l'argent. L'argent sera transporté. Donc voilà. Et moi, je parlerai directement avec les forces de police. Et on lancera une attaque de supérette. Enfin, deux attaques de supérette. Une tout au nord, une tout au sud. Ok. Ça c'est pour le truc. Bien sûr les supérettes, la supérette de la ville du sud ira, enfin, sera lancée. Elle attend 10-15 secondes même pas et elle se barre, Ok. histoire de leur donner une fausse indice. Moi je reste là-haut donc bon je serai en invisible, hein, je vous le dis. Il y a c'est histoire que une alerte soit donnée. Moi je vais rentrer en relation avec eux et tout se passera de façon RP. Voilà. Donc là, il faut que je voie combien il y a des policiers en service. Il y en a deux pour le moment, j'espère trois bientôt. Tout dépendra s'ils sont trois, je lance le braquage de la banque fédérale, enfin la grande banque. Sinon, je lancerai une supérette. Ou une bijouterie si c'est deux, je sais plus. Bijouterie world. Ah ben, ça serait de bijouterie alors. Voilà. Bijouterie, ça qui est pas Ok. mal. Donc il y a ça, ça sera sans doute la bijouterie, le point final, là où on ira tous. Une fois que l'argent du casse du premier casse, donc qui sera pas déclaré bien sûr, qui sera du coup, on ira récupérer l'argent sale et ça sera déjà enregistré. Voilà. Ça Ok. sera dans des locaux déjà sécurisés et tout, et après il y aura le casse de la bijouterie où je rentrerai en conversation avec eux, bien sûr. Du coup, normalement, j'étais pas prévu de venir sur les lieux, mais vu le sous-effectif, je vais venir. Voilà. Donc déjà, on va aller s'équiper. Du coup, je te suis, Encoras. On va y aller. J'ai la voiture devant. Pareil. Moi, je suis déjà équipé, mais pour vous. Bah moi pareil vu que tu m'as équipé. J'emmène juste Bonne nuit. Rémi, Yoann, moi parce que j'ai mes armes dans la voiture déjà. D'accord. J'ai déjà mon véhicule, du coup Rémi remonte. Ouais, moi j'ai juste besoin de me changer ma tenue. Ouais, on va vite faire une supérette. Hein, enfin une supérette à truc de vêtements. Et une supérette par le mocasse pour que je puisse m'acheter à manger pour l'event. Oh, je suis désolé. Je t'ai mis un point. Hey, tu m'en donneras une voiture comme ça, au fait. La M4? Elle est magnifique.
Bah t'inquiète pas, avec le casse tu pourras te la payer. Tranquille. Jennifer Join. Au revoir. Elle est à combien la M4? 5 millions. Oh! Mais comme tu dis, c'était 5 millions par tête pour 6, là ça sera plus du coup. Ce sera peut-être du 8 millions, 7. Je pense. 7 5. Ouais. Ouais, 7 millions 5. Sachant que moi, sur les 7 millions 5, j'irais donner une part à Ama et son mec. Parce qu'à la base, ils étaient conviés au truc. Donc après, vous ferez si vous voulez donner une part aussi, parce qu'ils étaient conviés, allez-y, mais moi, j'irai leur donner. Oh, j'aurais directement. Et du coup, ouais, Rémi, maintenant tu sais, c'était Ama et son mari. Hein. Ouais, bah je m'en suis douté d'oiseau. Mais Jake, il devait être là, non, au départ? Jake, non. Ok. C'est bon, t'as eu ta tenue? Oh, ouais, c'est bon, c'est bon. Il te fout de la thune, Johan. Oui. Tu me mets une supérette vite fait, s'il te plaît, que je puisse m'acheter à manger à boire? J'ai, voilà. J'ai que de l'argent propre, j'ai pas d'argent seul. C'est moche quoi. Tiens, t'as assez normalement. Pour tout. Donc après, Julien, t'as plus l'habitude des braquages quand on sera à la bijouterie, donc c'est toi qui géreras ça. Moi je sais que personnellement je suis en haut. Tout le temps. D'accord. Donc ça c'est toi qui géreras, clairement, sur la zone du braquage. Après on... Sur le début, après c'est moi qui vais faire la conversation avec la police directe. Je sais que je suis bon tireur aussi, mais à distance. Ouais, bah après, ouais. Sinon, il faudra faire une bijouterie là où. Enfin, une supérette là où je suis, et il faudra prendre le toit alors. Ok, bah alors, regarde, on va faire comme ça. Parce que moi, je sais que je suis meilleur en hauteur. Ouais, bah on prendra une supérette alors. Bien, comment tu fais pour récupérer par contre des chargeurs? On va y aller. Je vous donnerai le point où est-ce qu'on est quand on y sera. Qui est de la bouffe, mais c'est son service. Faut que je mette le plein. Non, c'est bon. Allez, à 92. Je prépare le véhicule de fuite, ça sera le Liberator pour ma part. Ok. Ce sera la M4, je pense. Ah oui. Enfin, tout dépend de la zone. Si c'est en ville, ça sera la M4. Si c'est dans le désert que j'irai faire, on ferait le braquage, je prendrai soit le Liberator, je pense. De toute façon, il faut qu'on prenne la bijouterie. Oui. À partir de samedi prochain, je suis en vacances, n'oublie pas. Enfin, avec ma chaîne. Enfin, avec Chloé dans le sud. Ouais, t'inquiète. Plus de connexion internet. Tu vas commander. De s'emplir les poches. Ouais. Vas-y, descends, hop. On est déjà en train de se remplir les poches. Glisse trop ta bagnole, t'as pas... faut changer les pneus. Tu... Bah ouais. Les pneus lisses, frère. On a tous les cartons. On a... Ouais, c'est bon. Tu remplis les sacs. Putain, les freins aussi, ils ont pas... Passe à droite direct, reviens, retourne derrière. Derrière. Yohan, derrière. Prêt, t'as des raccourcis. C'est bon, t'as ton sac qui est plein normalement. Ouais, c'est bon. À gauche. Redonne-le-moi. Et normalement, ça devrait être derrière. Putain. Yann, donne le volant. Non, mais... T'inquiète. Juste, indique-moi bien. Bah... À droite, après.
T'as le GPS à droite là. T'as juste là, tu vois. Y'a Kyle qui est vers vous. Y'a Kyle qui... ou je sais pas quoi. T'as ouais. Un mec qui est vers nous. Voilà. La question maintenant, c'est Julien, comment on procède? On garde l'argent sale sur nous ou on se donne de l'argent propre? Argent sale et on le déposera. On l'a blanchi parce que voilà quoi. Ok, d'accord. Bah, du coup, c'est... on le déposera. Du coup, je donne part à. J'ai fait spawn les 7,5 millions. Je les donne directement. Y a Kyle qui m'envoie en SMS pas mal la cachette. Il est teubé, lui. Et je te jure, faut éliminer celui-là ou quoi? Parce que là, il va me gaffer celui-là. C'est bon, t'as reçu Rémi? Ouais, c'est bon. Vas-y, monte. Julien, pareil, tu les donnes à Johan et hop, ouais. Vous deux 7,5 millions. Ouais, Johan. De quoi? Truc. On est en train de voler les cartons là, c'est l'argent. C'est l'argent, ça. Voilà. Ça, c'est le mini casse, ça, personne n'est au courant. À partir de là, on va se mettre en position à la bijouterie. Attends, mais c'est quoi ça, Marvin, là? Ah. Donc on va se mettre dans la bijouterie. Ok, vas-y, je viens, on se met en étage. On se met en étage et trouve un endroit où caler la bagnette. Putain, mais wow. Non, non, non. Je me mettais de quoi pouvoir fuir, en fait. Ah, mais nous, s'il faut conduire avec cette bagnole, mais laisse tomber, moi, je préfère. Putain, mais qui est con, lui. Grave. Putain, mais laisse tomber, il comprend rien, lui. C'est roux, ça. Bon, vous lancez pas, vous lancez... en gros, Knox. Ouais. Tu lances le braquage dès que j'ai fait ça. D'accord. Ok. Ok. Parce que du coup, je vais plus être sur le chat, je vais commencer à parler avec les forces de police. Ok. Je vais être dans leur channel en fait. D'accord. Donc tu me regardes et dès que j'ai fait, tu le lances. Et on se met. Pas de soucis, quand tu lèves les mains, je. Il y a un point où t'inquiète pas, ils vont pas se douter où je suis là. Ok, du coup, par SMS. Et je suis seul dans la bijouterie. Ok. Attends, hein. Je t'ai con, parce que je suis en train de respecter, mec. Vas-y. On t'attend. C'est là que je voulais me mettre. C'est là où je suis. Ouais. C'est pas grave. Snake, tu m'entends? Au pire, Julien, viens avec moi dedans. Au pire. Snake X, tu m'entends? Ok, c'est ok, je vais voir les flics. Bon. T'inquiète, il va être débile au bout de la map. Tant mieux. Non, mais sérieux, quoi. Grave. Surtout qu'il disait pas qu'on est là, vraiment. Ça... Et voilà. Plus qu'à attendre le SMS et je lance. Et je vous dis quand je lance. Ça devrait le faire. Moi je lance, je me planque derrière la table. Et après vous tirez, et moi je tirerai s'il faut. Alors, Steven Hartman, c'est qui? C'est toi, hein? C'est un de ceux qui est avec nous, Steven Hartman. Ouais, ouais. Ok, ça. Je fais lui coller une tête. Là, il est parti appeler la police en radio. J'attends juste son SMS pour dire que c'est parti. Pouloulou. Ça va être le braquage du siècle. Hein. Ouais, bah ouais. Tu gardes des thunes en même temps, tu braco. Du coup, en fait, là, on braque la bijouterie. Ensuite, si tout se passe bien, on s'enfuit tranquillement. Ou on tire. Ouais, ça se passera bien. Et après, on part à une supérette, c'est ça? Je sais pas ce qu'il va être supérette tout à l'heure. L'argent sécurité. Ah ok. Et pourquoi on a tous de l'argent sale au fait? C'est ce qu'on a récupéré tout à l'heure là en bas, dans la cave. Ouais. C'est en fait c'est un. Là on fait un braquage de bijouterie pour faire diversion en fait. Et en vrai on a volé la. On va dire la Brinks, on va dire à peu près. On a volé en dessous. Et la bijouterie en même temps. En gros on a imprimé notre argent, voilà. Ensuite déclenché le braquage pour que la police vienne à nous. Et que nous on se part. Exactement. Et tu le bloques, vous savez où blanchir?
Oui, je pense. Moi je l'ai plus, mais après, oui. Julien doit savoir, oui. Ah, Julien. Ah, SMS, attention, c'est quoi? Il a dit go, ok. C'est-à-dire quoi, on C'est parti. dégage? Non, non, vous restez là et vous tenez la position. Faut tenir pendant 5 minutes. Et l'argent sera à nous. Du coup, c'est-à-dire que s'il y a les flics qui arrivent, vous tirez s'il faut, je pense. Ça, il va nous dire. Je les prends pas derrière moi. C'est dégueulasse. Ah, j'ai un code en Ok, plus. c'est parti. Ah bah là ça va être ça, hein. Faut Une pas les voiture. laisser rentrer, hein. Une voiture. Ok. Une. Qui arrive à ta Une droite. voiture sur moi. Ok. On va tirer, hein, s'il faut. Ouais, je vois les gyros mais je les vois pas. Sur Steven. En dessous de Steven. Ok, il faut Devant. qu'il tire. Hein. 300 secondes encore. Ok, je le vois derrière la voiture. Il est juste derrière la voiture de Steven. Il y a un mec qui a tiré au... C'est vous? C'est moi, c'est moi. Ok, nickel. Ouais, je suis en train de me faire asthmate. Il m'a grillé. Ok. Attends, bouge pas, j'essaie de le prendre à revers. Ouais, voilà, prenez-le à revers. J'arrive pas à le spot. 200 secondes encore. Steven, faudrait qu'il balance ses grenades, je sais pas quoi là. Je crois qu'il y en a un mort en dessous. Je sais pas du tout. J'ai juste le visu sur la voiture et je vois que dalle. Je sais qu'il y avait un mec tout à l'heure sur la Ah, voiture. police, 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 camion. Braquage terminé. Il faut Position, fuir. position. Véhicule blindé, véhicule blindé. Ok, Où bon. ça? Position. Derrière le toit, derrière Moi, mon braquage, il est le toit dans fini. la grande rue. Arrêtez de tirer pour le moment, négociateur sur zone. Ok, mon braquage est fini, moi, totalement. Restez dans la boutique pour le moment. Ok. Et en position. Et en fait, ça a été vite, hein. Julien, par rapport à ta position, peut-être passer où? J'étais vers le truc de vêtements. Ok. Steven sur le toit en face de moi. Maintenant, faut juste que les Mais t'es négociations se mort? passent bien. Putain. T'es mort, Julien? Non, 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 du tout. T'as dit qu'il y a une casse écoute, c'est pas méchant, putain. Sérieux. Les gens ils comprennent pas qu'il faut venir Discord. Et vu comment il écrit en plus, autant qu'il. Je crois qu'ils sont aveugles les gens. Je crois qu'il y en a un qui monte. Je crois qu'il y en a un qui. Ah, faites gaffe, hein. Qu'ils vous prennent pas le revers pendant la négociation. Affirmatif, il y en a un qui monte. Vous mettez une balle, hein, s'ils montent. Ça shoot, ça shoot. Ok, ça tire. Hein.
Je sais pas. C'est Steven qui a battu quelqu'un. Ah, je crois que les négociations vont être finies. Si c'est ça. Non, je pense pas. Pneus crevés de la voiture. Puis on piquera leur voiture. Hein. Ah non, pneus crevés justement. Ah ouais. Bon, il est plus que tout seul, vous faites ce que vous voulez de lui. Ok. Il se rend. Abattu. Ok, nickel. On peut sortir tranquille. On peut sortir. Là, en face de moi. Attends. Mais il est mort. Hein. Bah, c'est bon, tu peux y aller. Les deux sont morts normalement. Tous. Okay. J'en ai abattu deux. Non. Négatif, il y en a fait un troisième. Il y en a fait un troisième. Oui, le troisième, je l'ai abattu. Il est en haut, c'est bon. Ouais, il est en haut, il est. Il est. Par l'échelle. Allez, prenez le fond. Ouais, ok. Okay. C'est parti. C'est ça qui est bon. Ils ont voulu faire les malins? Ouais, le policier est sur moi. Descends, Johan, descends. On ouais. Se casse, hein. Ouais, ouais. Putain, mais sérieux. Je vais y aller après, je vais y aller après. Tu connaissais cet endroit, Rémi? Non, du tout, franchement. Celui-là, je connaissais pas. Julien. Bah, j'espère qu'il y a un mec, donc. Ok. Coup de panique, ça. Putain. Prends-en les mecs. Je t'attends. Je réanime juste. Les policiers. Il s'est pris une balle de mousquet et il est mort. Bah, c'est ça, il a pas voulu négocier. Après, il a fait le malin aussi en radio. Genre, le mec, il prenait pas au sérieux. Et le cadet, il a voulu. Enfin, l'officier, du coup, Vincent Le Breton, il a voulu contourner, donc monter à l'étage. Bah, je l'ai battu aussi, pareil. Et le seul qui a voulu rentrer en négociation, c'était Daniel. Le seul qui mérite d'être. Voilà quoi. Comme ça, j'ai la réponse, tu vois. Ah, carrément. Ouais. C'est clair. Non, mais pas de soucis. Ok. Donc 75. Voilà. Les trois sont réanimés. Du coup, je vais. Je vais juste cacher le véhicule. Et oui, je vais prendre une photo de moi, ce qui se passe. Ouais. Par contre, tu peux me mettre Schumer. Stop. Ok. On va se relooker. Je mets RSA, voilà. Hop, je me cache. Et je prends une photo. F12. Fais-toi plaisir. Et je vais mettre tout de suite le Twitter. Twitter. Discord. Capture d'écran, c'est où? Afficher. Capture d'écran. Bibliothèque en ligne. Afficher. Capture d'écran. Hop. Relooking pour pas se faire reconnaître. Putain, je vois pas mes captures d'écran. Tac, nickel. Julien, t'es où? Attends. Voilà. Discussion. Bonjour. Bonsoir. Ah, c'est bon. Moi. Je fais un doigt. Steven Hartman. Commandant. Force de police est décidé de tomber le masque. Putain, mais c'est révélé, parfait, putain. Trop de soupçons
soupçons, j'arrive pas à l'écrire. Ah, c'est bon. Trop de soupçons se porter contre moi. Aujourd'hui. C'est good. On va où? Doc, ainsi que ces hommes. Hey, I was just about to call you. Casa de Papel. Ont récolté, comme vous pouvez le voir, 7 millions. Par personne. 500 000. Moi j'ai 600 000. Ouais. C'est 7 millions 5 de base. T'avais 100 000 de base. Ouais. Sur toi. 7 millions 5 par tête, soit un total de 30. 7, 5, 15, 30 millions. 30 millions, cela sera utilisé. Roule comme des connards, Julien, ou non? Non, roule tranquille. Là, on doit faire profil bas. Gros, on a 7 millions sur nous d'argent sale, on va aller les blanchir. Pour le bien de la ville. Celle-ci ne représente pas les valeurs à laquelle nous avons accordé notre confiance. À droite, Johan, à droite. À droite, sur le parking. Parking. À gauche. Vas-y, accélère, t'inquiète. C'est parti. Allez, viens. Allez, monte. Les banquiers vont être contents, là. Tu montes les ailes. Genre 6 millions sur ma banque encore. Je t'avais dit quoi le braquage il... Ah bah là c'est clairement le plus gros braquage du siècle. Ça tient. Tiens, non, ça tient en musqué là. Voilà, hop. Nickel. Ok. Bon, allez, vite fait, je pars en mode modérateur. Vas-y. Bon bah messieurs, ouais. Hein, c'était un plaisir. Possibilité. Plaisir activité. Partagé. Moi je vais aller mettre... l'arme, je la garde ou je la rends? Je peux la mettre tu à mon apport. Tu peux tout garder. Okay. C'est toi qui choisis. Ok, je vais la mettre à mon apport. Daniel Jackson devant le comico. Hop, Nico. Plus qu'à rentrer tranquillement. Et on reprend notre petite vie de civil. Hop, Richard Majestic. Il y a Rodriguez qui prend part à la course poursuite. Volk. Déposé. Allez, viens. Et voilà. Comme si rien ne s'était passé. Putain, j'essaie de me faire un style gangster et je sais pas. Ça, ok, mais par contre, le torse, il est pas bon. Ouais, ça, c'est bien. C'est le t-shirt qu'il faut que je change. Bon. Après le gros braquage qu'on a fait, tout le monde est parti de son côté, tout le monde a fait ce qu'il fallait faire. Oh. Il y a encore des explosions en ville. Voilà.
J'ai gardé 8, bah, tout est en banque, j'ai pris 800 000 sur moi. Et je vais me faire un petit plaisir d'une voiture que j'ai toujours voulu avoir. Bon, celle-ci que j'ai, oui, mais une autre beaucoup, beaucoup plus classe. On va se mettre sur la place handicapée, parce que vu qu'on est riche, on se le permet. Attention, vous êtes prêts. Déjà, on va dans... Super. Et c'est celle-ci. La Tyrus. Franchement, ça c'est de la bagnole. C'est parti acheter. Oui. On va juste chercher les clés. Oh là là là. Même à l'intérieur, c'est un avion le bordel. Oh putain, ouais. On voit même ses pieds du mec. Regardez, tous les boutons qu'il y a. C'est ouf, et je l'ai pas custom encore. Classe de ouf. Il y avait un mec, j'ai pas compris c'était qui. Nickel. Alors ça, quand on va la custom, ça va être autre chose. Ça, c'est joli. Okay.